Anticosé, c'est une émission qui a fait nous ouvrir Bible, réfléchir, prier, mener des réflexions, et puis pour yon à l'autre, venir ensemble pour avancer en disant en mission, Christ, criez-nous pour accomplir. Gracien, nous en direct dans les plateaux Espérance TV. Bienvenue, je suis bien en forme aujourd'hui. Je suis toujours en forme, et puis l'aide mon Dieu, et je suis souhaité le. Maintenant, bienvenue tout le monde qui a assemblé pour regarder l'émission. Bienvenue de par le monde. Je vais faire tout le monde un bel petit coucou. Je vais vous bienvenue aussi. Et je vais saluer aussi les techniciens, les responsables. Un petit mot pour les pasteurs, ouais, les anciens d'église, les gens qui chargent tout pour moi. Je vais dire, tu es fort, tant, tu es bon, écoute, on nous mettait quoi nous ensemble pour nous avancer. Oui, je vais aussi souhaiter bon courage à les gens qui sont en prison, puisque. En prison, il y a quand même des anticosés. Mais oui. Et puis, et monde qui malade. Et c'est grand monde qui la caillot. Oui. Et puis, qui a prend plaisir pour écouter parole, bon Dieu. En langue maternelle, c'est important pour nous parler du bon Dieu. À dans la langue, je pense que c'est nous qui va à l'ancien là. Ça vous dit. Je vais bénir tous ces moments-là au nom de Jésus. Merci, merci. Nous finissons en leçon qui est important enfin l'esprit de la loi. Et nous, à manière bon Dieu, tu as mis dans leçon de là et l'accent à sur l'amour pour nous, oui, pour y aider l'autre, et puis pas oublier les pauvres, en disant ministère, nous, etc. Exploiter, respecter serment nous, les vœux nous faire, et bas parole nous poids, que c'est oui, non, c'est non, mais pour nous servir, mon Dieu, dans un esprit qui est honnête. Gratien, nous caillouais, et je dis à l'acti des paroles, bon Dieu. Moi, quoi, si j'étais à la catombe bien, puisque nous finis vivre en semaine la prière mondiale, oui. Et Dieu te qu'à mettre l'accent à sur les prophètes, la parole bon Dieu et l'esprit de prophétie. Ah, oui, absolument. Donc, ça important, ça qu'à venir pour encourager, fortifier tout ça nous. Par hasard. On nous prie grâce pour commencer. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous d'y souffler la vie. Nous avons ouvert la parole à présent pour nous étudier. Mais nous savons, sans l'intervention du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. S'il vous plaît, mon Dieu, guidez-nous par le Saint-Esprit. Et quittez-nous, vêtiez-nous, aux paroles où nous influençons sans les nous. Puis transformez la vie nous. Et pour nous comprendre que Jésus qui a viré tout à l'heure, nous n'y pour nous régler la vie nous. Et préparer comme nous, et prêt pour le Jésus qui est venu, puis pour nous et puis. Bon Dieu, guidez mon moment là. Nous allons supplier en nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Merci. Grâce à un texte là, qui a servi nous de base là, Libanon, il a trouvé quoi dans Néhémie 8, verset 8. Alors, Néhémie 8, verset 8, nous allons lire. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Bien, nous n'y passage ça là. Bon, quand nous avons parlé du livre de la loi, grâce à ça, ça veut dire qui ça? Bien, là, nous avons parlé du livre de la loi, nous avons parlé de 5 livres. Et dit Moïse écrit. Vous pouvez citer ce livre-là? Vous pouvez citer ce livre-là? Nous avons lu Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis le Deutéronome. Deutéronome. Donc c'était 5 livres-là qui étaient fait autorité. C'est ça qui était le canon et de la Bible. Le canon de la Bible. Donc là, nous avons lu Matthieu 5, verset 17, où Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Jésus a fait référence à ce qui a fait autorité là. La Torah, les 5 livres de Moïse d'abord. D'accord. Puis ensuite, d'accord. On les écrits des prophètes et des psaumes. Et puis, tenir les psaumes, les prophètes, etc. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire que c'était ça qui était le canon biblique à l'époque. Le canon biblique de l'époque. Et grâce à des informations, est-ce qu'à l'époque, chaque monde, nous avons parlé de peuple Maman Israël, tenait en rouleau, en la main?
Un livre qu'on connaît déjà des jours. Ah non, ah non, ah non, ah non, ça te wow. C'est non, et puis le rouleau, c'était en solennité. Oui, oui. Pour tirer un rouleau, pour porter un rouleau devant l'assemblée, ouvert. Maintenant, pour tant de paroles, bon Dieu, qu'on nous croit, dans chapitre 8, Néhémie, c'est un solennité extraordinaire. Et la parole de Dieu, c'est les scribes. Hein? C'était les mounes qui étaient spécialement attachés à cela. D'ailleurs, Esdras, c'est un scribe. Oui, 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 c'est un scribe. Versé dans les Écritures. Oui. Donc, nous croyons que c'est dommage, hein, si nous te pensons, nous te caillons en rouleau. Ben pour nous te montrer, c'est vous qui menez ça de capaz à l'époque. Nous n'avons pas ni temps. Bien. Eh bien, Gratien, nous avançons. Mais oui. Alors, peuple-là rassemblé, où te fait qui ça? Et qui l'importance parole bon Dieu tenue à l'époque pour cela? Pour nous placer décor-là dans le contexte-là. Mm-hmm. À nous garder, yo fini construire Miraïla. Juste avant, yo fini construire Miraïla. Yo réparé en injustice. Mm-hmm. Parce que ça était difficile pour Miraïla fini rassembler un peuple qui pas erreur en dedans même parce que en bloc couillon yo perd l'argent, yo perd jardin yo, yo perd terre yo, yo perd chio. Maintenant yo prêté yo à intérêt, yo ni dette le gouvernement personnel. Ça fait blesser. Yo blessé, yo meurtri en dedans la chair yo. Mon quoi là l'esprit bon Dieu qui travaille. C'est extraordinaire. Bon Dieu maintenant fait en sorte que l'abcès a pété. Et puis chair ouvert et puis dévoiler souffrance yo. Donc bon Dieu, Néhémie prend en charge sous force peuple là et puis il dit faut régler situation et puis l'esprit bon Dieu, situation on régler. Miraïla a fini, maintenant peuple là qui a rassemblé quoi pour entendre la loi parce que partiellement il a venu un peuple maintenant véritablement un peuple parce que il y a ni sacrificateur, hein, il y a ni temple qui construit, il y a ni Miraïla qui sécurise, ennemi peut pas venir embêter encore. Donc vie sociale place un gouverneur. Il place un gouverneur maintenant vie sociale yo vie reprend puisque yo restitue ça yo te volé ta yo ça yo te couillonné. Et les ennemis qui a tremblé puisque yo peuple la sécurité protégé par un mur. Oui. Et oui, puis, absolument, peuple la sécurité. Il va monter toute vallée. Et puis, non seulement ça, les ennemis, même qui te ka persécuté, yo ou connaît que véritablement bon Dieu te pio. Extraordinaire. Bon Dieu te pio. Alors là, maintenant, tout le monde est rassemblé maintenant pour coûter parole bon Dieu, loi bon Dieu, pour yon sa vie, vivre en vie spirituelle. Alors, c'est-à-dire, nous avons dit en vie spirituelle, mais en vie culturel. C'est-à-dire placer culte là au centre d'arène. Au centre de la cité. Voilà. Et bien, bon Dieu, première place là. Exactement. Gratien, et nous allons lire le passage là. Par exemple, pour nous savoir qui est qui prend l'initiative. Est-ce que c'est Esdras ou est-ce que c'est peuple là? En nous lit texte là. Émi Baudou, chapitre 8. Verset 1er. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Verset 2. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. D'accord, d'accord, on reste là. Alors, qui est-ce qui prend l'initiative? La Bible dit nous ici, hein, peuple a rassemblé. Mais pour peuple rassemblé, il faut une meneur. Oui. Faut une maintenant. Peuple, c'est à dire moi, peuple, venir rassembler. Mais la Bible dit nous conseille, peuple, dit yo, porte le livre là. Jésus, porte le livre là. C'est là, moi, les mettez l'accent. C'est peuple qui a réclamé. Réclamé. Parole, bon Dieu. Mais c'est extraordinaire, quoi, ça. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Ça, extraordinaire. Et là, nous croyons que conditionner, c'est le fruit de 13 années auparavant. Mais oui, et si Esdras, maintenant, tu as lu la parole du peuple là. Ça suscite véritablement, mais c'est ça qui est un réveil. Véritablement réveil. Parce que tout réveil qui a commencé par les petites paroles, mon Dieu. Donc, ça veut dire que pour peindre un véritable réveil, un véritable piété, on y pouvait parole, mon Dieu. Et c'est un lisson à nous.
sans leçon ba nous parce que tout monde ni bible à présent tout monde ni bagaille là on fait rassemblement pour étudier la bible quoi deux parler trois tondu ici à nous tout peuple et c'est dommage et bible a dit nous là et que peuple a rassemblé comme un seul homme l'expression ta là qu'a faut penser à qui ça un soldat en armée unie l'unité d'accord et puis et qui ça qui fait oui alors donc il dit nous comme ça c'était le premier jour du septième mois or nous savons que septième mois en Israël c'est un mois spécial c'est un mois particulier qui n'est trois grosses fêtes en Israël une la fête des trompettes une la fête des et puis il n'y a le jour du grand pardon en Israël trois grandes fêtes trois grandes fêtes et alors donc nous allons lire au verset 3 Esdras lu dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour avions près de 12 heures de temps allez sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes des femmes et de tous ceux qui étaient capables d'entendre le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Verset 4. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion auprès de lui, à sa droite. Et se tenaient donc les différents, maintenant, chefs, les différentes personnes qui tenaient accès au sacerdoce. Mm-hmm. Et puis au verset 5, nous avons lu. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il lui ouvert le livre, tout le peuple se tient en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit, en levant la main, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent, ils se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Alors, grâce à ici, nous avons une véritable scène d'adoration à partir de la lecture du parole bon Dieu. Oui. Maintenant, et qui manière un peuple peut rester là depuis le matin jusqu'à dans l'après-midi et puis Bible a dit, il était attentif. Ah ben, attentif. Ça, c'est l'issue à nous. Ça, c'est l'issue à nous. Alors, bien souvent, sans couper, bien souvent, peut-être que c'est bon, à faire nous ça. Mais à l'époque, les places là, la panique, bon, tout le monde a du bout, grâce à tout le monde a du bout. Tout le monde a du bout, on l'a déjà eu. Alors, pour si, là, nous n'y a qu'il de 30 minutes, peut-être 40 pour les prédicateurs qui plus téméraires et qui plus longues, une heure dix de temps, nous gagnons autant de monde qui a pêché l'orbi, grâce à. Alors, nous croyons ouais, que véritablement, nous croyons faire des choses par routine. Nous croyons faire des choses par routine. Mais là où nous croyons porter conviction pour faire un bagaille, nous croyons dire si temps dépassé, et puis nous croyons ouais, démonstration d'esprit et de puissance à la parole de Dieu, nous croyons dire si temps dépassé, c'est que bon Dieu n'y a pas spécial pour faire là. C'est peut-être moi qui peux comprendre un bagaille. Et oui. Bon Dieu le révèle moi bien. C'est peut-être un pécheur que bon Dieu le délivre. Nous apprenons. Mais fort souvent, nous ne pouvons pas apprendre comme ça. Nous pensons que, mamie, nous avons besoin de chauffer pour nous manger à midi. Oui. Malheureusement. Et c'est ça que je dis à Daniel de ces missions en nous passant, que des fois, nous pouvons faire des bagailles par routine. Mais nous ne pouvons pas vivre une expérience au jour le jour. Et puis, bon Dieu, parce que ça t'est important, m'en souligner, t'as l'air, peuple là. Il mandé de ouvrir la parole là. Donc, le peuple ne peut pas mander en bagaille et puis ensuite, il a dormi ou bien il est embêté par ça qui a lié là. Donc, ça c'est important. Alors, moi-même, je prends ça comme de base pour un véritable réveil. Il y a un véritable réveil là. Et donc, maintenant, je crois qu'à la fin des temps, nous nous exemptons là pour suivre, virer. Reprendre ces passages-là et puis peuple bon Dieu pour montrer comment pour nous agir. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que le moment arrivé pour nous en telle unité comme un seul homme autour de la parole bon Dieu? Malheureusement, et comme la prophétie annonçait, danger a venu du dedans, maintenant nous avons tout le monde qui a mis comme un leader, tout le monde est leader, tout le monde est.
l'être automate, c'est-à-dire marcher selon penché, yo parler, faire corps et puis l'organisation pour avancer. Tout le monde est l'être, voilà le moment de chercher indépendant. Oui. Et c'est ça qui alors nous avons Edras et porte livre là devant l'assemblée et puis il lit nous avons une véritable scène et le peuple là approuvé. Oui. Lever la main dit amen et puis bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oui, oui, oui. Je dis je est-ce qu'on pas rapprocher nous trop timide en dit dans adoration nous. Moi qui a dit ça. Ce problème là c'est que nous peur les autres dit que nous qu'on le tel bagaille pour tel bagaille qui apporte une image. Mais écoutez bien, André, là où l'esprit bon Dieu qui travaille, si c'est pour lever l'homme, quoi lever l'homme? Là où l'esprit bon Dieu qui travaille, si c'est pour avancer, pour écouter, ou quoi avancer, là où l'esprit bon Dieu qui travaille, si c'est pour plaire, ou quoi plaire, là où l'esprit bon Dieu qui travaille, si c'est pour chanter, ou quoi chanter, et ou quoi chanter, C'est pour ça que je dis, maman, nous arrêtons puis la routine. On nous arrête et puis les habitudes. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, c'est ceci, c'est la routine, c'est ceci, c'est là. Chaque fois, parole bon Dieu prêché. Chaque fois que parole bon Dieu qu'a prêché, bon Dieu qu'a suscité un intérêt particulier. Oui. Et c'est à nous de suivre pour nous. Alors, aujourd'hui, jour gracieux, nous avons tous les moyens pour nous lire parole bon Dieu. Oui. À l'époque, sans seul monde nous dit ça, qu'à ben nous ouvert ou loi. Et peuple la solennité. Est-ce que c'est pas parce que nous n'y trop Bible que nous avons banalisé parole temps là? D'ailleurs, nous n'y Bible électronique à présent. Et on peut aller tout partout, etc. Et ben, l'évolution. C'est un avantage considérable. C'est, mais Adam, même avantage, nous avons pris dans l'engouanage. Et il tellement marché que nous avons banalisé. Nous avons banalisé. C'est vrai que nous avons lu. Un texte, c'est mon Dieu qui a nous une recommandation. Mais nous avons tellement habitués, tellement balancés, nous avons dit oui, c'est ça. Mais nous ne pouvons pas appliquer. Et c'est là, donc, nous avons une propre faiblesse, nous, qui avons monté à la surface. Mais oui. Mais. Alors, on nous prend, et par exemple, Matthieu 17, verset 5, nous ne pouvons pas prendre tous ces passages-là. Hein, pour nous, qui ça, ces passages-là, qui a dit ouais, bon, Néhémie 8, 3, dit Esdras, lui, dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables d'entendre, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Oui. Il y a un texte Apocalypse, moins content, chai. Apocalypse 1, verset 3. Et oui, c'est lui qui lit. Et qui garde les paroles. Qui entendent et qui gardent les paroles qui sont écrites. Donc, on y trois éléments là pour trois considérer leur face parole, bon Dieu. Oui, absolument. Oui. Absolument. 17:5, Matthieu 17:5 nous parle. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Oui. En réalité, grâce à ce passage-là, c'est important, puisque la parole même a dévoilé un personnage clé. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et toutes les fois, ou quoi sont de l'exécution, Jésus dit, Adam, mais, et Matthieu 5, 39, sont de l'exécution, parce que quoi, penser. Pouvant la parole, bon Dieu, c'est écoutez, là, c'est lui qui a un témoignage. Donc, on pense avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Mais c'est lui qui a un témoignage. Dis-moi, on ne peut pas venir à moi. Absolument. Et on avance. Nous, on est lit, mais des fois, tout le monde ne peut pas comprendre. Mais il y a la lecture et puis l'interprétation. L'interprétation. Alors, qui est-ce que l'interprétation, c'est important. C'est important. Lire parole là et puis interpréter parole là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, jour du jour, au 21e siècle, et puis l'interprétation? Parce que chacun homme, surtout nous n'avons pas nos plus théologiens, chaque monde avait une interprétation, Gatien. Oui, tout le monde avait une interprétation. Mais la Bible dit, Paul dit, interprétait selon l'analogie de la foi. Ou quand interpréter en prophétie, interpréter d'après l'analogie de la foi. Ça veut dire selon la suite. C'est-à-dire que l'interprétation là pour qu'à correspondre. Qu'à faire un assemblage et puis ça qui t'est dit avant, ça qui t'est dit après et ça qui dit après. Pour y'en pas qu'à contredire l'autre.
Parce que si interprétation on quoi ben là, quand contredit ça qui était dit avant. Et c'est pour ça mon Dieu donc, là où il y a un prophète là qui est venu faire un oracle. Même si oracle a réalisé, il fait. Mais si prophète là même garde allons auprès d'autres dieux que moi pas jamais servi et puis moi pas connaître. Pas écouter, c'est un faux prophète. Oui. Même si déclaration il fait à réaliser. Donc c'est important. Le cas les paroles là, on est un interprète, on est un spécialiste qui a une explication et puis maintenant on approche. Ah, absolument. Oui. Et moi, j'ai envie de vivre un moment comme ça. Quand on lit à haute voix, et puis un monde qui a, il a dit de telle chose à telle chose, mais c'est comme ça pour nous comprendre ça. Mais c'est ça, bon Dieu, le dit là. Et puis, quand verset par là, changez ça, il te dit ici. Changez ça, il te dit dans l'Exode. Changez ça, il te dit dans le Deutéronome ici, pour nous avancer. Ça, belle. Je dis, je crois que nous croisons dans le monde qui a dit, bon, je n'ai pas besoin de monde pour ni faire étudier la Bible, ou bien, personne n'a pas aidé à étudier. Mais étudier du pop commun, mon fier, et etc. Est-ce que nous toujours besoin de monde pour porter un apport en plus, ben, une explication? Oui. On nous prend l'exemple de. Éthiopien qui sortit et adoré à Jérusalem. Et c'est pas tant sorte. En ministre. Et ironie dit ça. Et il sortit adoré à Jérusalem pendant la fête de Pâques. Et Dieu seul, ça c'était une théologie là. De grands scribes, de grands mounes qui les traitent. Et il partit là à vide. Il pas trouvé Jésus. Jésus partit élevé. Il peut trouver un enseignement christocentrique pour amener vers le Christ. D'ailleurs, il était dans les livres d'Isaïe qui a étudié, et là, l'Esprit bon Dieu parlait à Philippe. Il a posé Philippe question, mais dit qui moun pour faire la parole là? Donc, pourquoi mon Dieu a réagi? Bon Dieu, on a toujours besoin d'un plus petit que soi dans la vie. Nous avons toujours besoin en notre aide. Et si on dit, on lit la Bible, et puis par vous-même. Mais à combien de références vous faites? Même mon cadeau, hein, ça c'est la bénédiction, ouais, fascicule auquel nous étudions là. Parce que mon nom qui fait fascicule là, il fait des recherches. Et puis, il y a un esprit de prière. C'est tout en commission qui travaille. Et puis, sans commission, ni en chaque langue. Et puis, toute coutume passée à l'entour critère cela. Pour si pas ni bagaille qui a dénigré, si pas ni un mot. Qui peut être offensé en tribu, en peuple, en nation, en bagaille. Ouais, c'est mon cadeau. Donc c'est comme ça pour Dieu qu'on travaille. Oui, alors en nous virant les réponses peuple là, les Esdras, li et parola. Après lecture là, qui ça peuple là répond? Qui ça y fait? Alors, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et le lévite qui enseignaient le peuple. Dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. On reste là un moment, la grâce. Et qui manière ou quoi considérer passage de la ici? Oui. Peuple a pleuré en entendant lecture et puis interprétation volonté bon Dieu qui révélait ma peuple là. Les paroles bon Dieu qui a prêché et que ni moun ka pleuré, qui mène ou ka wè ça? Moi ka dit, c'est l'esprit bon Dieu qui ka travaille. Ça veut dire que tiè moun a touché personnellement l'année en rencontre. Et moi-même, moi solidaire et puis prédicateur dans la prière. Moi ka prié baï. Moi ka dit, Seigneur, permette que l'esprit. Il a touché et il touche des éléments en disant tiens moun. Quoi ouais moun qui a pleuré quoi ouais maintenant parole bon Dieu qui a prêché mais ça ouais ça et ti des moun qui a quitté dernier banc qui pas connu bon Dieu qui a monté pendant yo qui a monté yo qui a tiré bijou yo qui a suyé fort en la bouche yo qui a pleuré yo qui a venu à la repentance. Oui, oui. On nous lit la suite là, puisque nous avons évitant là. Mais oui. Alors, quand tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien, qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas.
Notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Oui, grâce à ici, là, il y a une belle fête ici, là. Oui. Et il y a recommandé d'aller manger des viandes grasses. Où tu as dans fête, tu as dit manger des bons végétariens, et pour mettre, etc. Ah, mais non, le végétarisme, c'était pas connu. Le végétarisme, pas été connu. Parce que là, maintenant, rappelez-vous, Caïn, offert à l'Éternel en sacrifice des fruits de la terre. Et rappelons, ordonnance mon Dieu, l'agneau serait mangé. Hein? Oui, oui. Serait mangé avec ses excréments. Imaginez quand vous tirez l'agneau pour porter un sacrifice fruits fruivial et pour manger devant mon Dieu. C'est ça que les jours font. Je n'avais pas une place. Il est là au moment là. D'accord. Parce que le peuple là, c'est un peuple carnivore, vraiment carnivore. Parce que tous les jours, il y a des sacrifices. Il tenait l'offrande du matin et du soir. Et les sacrificateurs, c'était des gros carnivores. Puisque ils étaient qu'à manger. Ouais. Donc c'est après, bon Dieu était qu'à préserver le peuple. Mais c'est après qu'il y a eu des recommandations par rapport maintenant à la lourdeur du péché entre d'accord, et dans le temps, et etc. Vous dites toujours qu'à envoyer des messages dans le peuple pour agencer les choses. Absolument. Mais nous, qui était une véritable fête, une véritable joie. Une belle communion qui dégageait en fraternité et tu étais qu'à partager entre les repas qu'on nous a le jour de là, après la Pentecôte. D'accord. Et puis, on nous lit encore la suite là. Alors, mais oui, verset 11, verset 12. Oui. Alors, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en allait pour manger et pour boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car il avait compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille et tout le peuple sacrificateur, les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre encore l'explication des paroles de la loi et ils trouvèrent écrit dans le livre de la loi qu'il devait être prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois, c'est-à-dire la fête des tabernacles, en souvenir dit maintenant période 430 ans, ils ont passé en Égypte. Alors, donc, nous voyons que c'était un peuple qui était errant dans le désert et cheminant sous la direction de Dieu. Bon, nous sommes tous les péripéties qui passaient, nous ne pouvons pas dire en les tout ça. Exactement. Mais ça qui est important, c'est que les en réveil suscité par les petites paroles bon Dieu, il n'y a tout en réjouissance qui pour venir. Grâce à jeudi jour. Il y a réjouissance et puis résolution qui pour. Absolument. Oui. Jeudi jour, nous allons parler de réveil et réforme. Et est-ce qu'un moment n'est pas venu pour nous faire on les béréens, puisqu'il y a toutes sortes d'hérésies qu'a les vendus dans l'église là. Mais bien sûr. Pour l'ouest, parce qu'il y a des gens qui ont venu qui ont des belles présentations, mais derrière, toujours il y a un bagage qui caché. Toujours il y a un bagage qui caché. Pour nous détecter ça, je dis, jour, pour tes conclusions, on laisse ça, qui ça nous n'y pour nous faire? Eh bien, nous n'y à sonder parole là. Mais nous n'y à bénir bon Dieu, sonder parole là. Parce que bon Dieu, bah nous, parole écrite là, la grande lumière, mais il bah nous les écrits de l'esprit de prophétie. Puis la petite lumière qui a conduit à la grande lumière. Au choix du jour, tout le monde a levé. Actuellement, il y a une guerre qui est ouverte contre les écrits de l'esprit de la prophétie. Ni ne m'y parle. Il y a dit ou quoi? C'est sola scripture. Mais sola scripture, quand il est sorti, et à quel moment l'expression est sortie? Au moment de la réforme. Au moment de la réforme, il partit une pleine. Là, toute révélation. Il peut retenir ça. Il peut retenir ça. Mais sur la scripture au moment de la réforme, c'était quoi? C'était dire non au dogme. Non au dogme de l'Église universelle. Retour à la parole de Dieu. Parole de Dieu seul et seul. Ouais. Alors, tous les dogmes, je vous salue à Marie, et toutes les dobétites, les dignations, non au dogme, mais c'est la Bible. Mais vous mettez sur la scripture. Ici, il y a donc que c'est la Bible seule et puis la Bible seule. Et puis, quand mais c'est toujours la Bible, toujours la Bible seule. Oui. Puisque Hélène G. White, d'accord, il même dit comme quoi que. Oui, c'est la Bible. C'est seule. Pas la Bible. Oui. C'est un petit lumière qui a conduit dans la grande lumière de la parole de Dieu. Oui, mais absolument. Ok, d'accord. Oui, mais sur la scripture, a venu aussi la foi et la foi seule. Ok. Grâce à prier, t'as fini prier pour nous. Papa Dieu, nous allons remercier. Nous allons louer nous.
nous avons glorifié. Parce que nous, à travers la parole là, maintenant, les dirigeants convoquer peuple là réclamer les petites paroles là. Nous, ouais, du matin jusqu'au soir, ils ont écouté la parole là. Parole là suscitait maintenant un réveil en dedans yo. Yo resté là et puis yo ça produit non seulement des pleurs mais après une grande réjouissance. Papa, nous à la fin des temps, Jésus paraît pour y venir. Aidez-nous à trouver goût en dedans parole là. Aidez-nous mon Dieu à trouver instruction en dedans parole là. Aidez-nous à trouver un guide flambeau en lumière en dedans parole là pour clairer nous, nou, pour nettoyer quoi nous. Afin que nous soyons utiles pour les autres, pour mon famille, nous, madame, nous, ish, nous, tish, nous, l'église là, tous les serviteurs, mon Dieu, pour nous trouver nous unis et qu'on parle à l'union, peuple là, semblé comme un seul homme, comme une armée bien disciplinée. Mon Dieu, permette que réveil ta là, réalisant dit dans nous, et que nous entraîner à la suite à d'un grand réveil qui caille promulguer le dernier avertissement pour le monde et Jésus qui est venu pour mener nous à un royaume là et tu auquel il n'y a pas de souffrance, pas de douleur. Fais Seigneur qu'un monde touché par présentation parole là et qu'il bat Jésus tchèye avant qu'il soit trop tard. Nous allons louer en nom Jésus. Amen. 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 Amen.